Bon, y a un copain qui m'invite à une course. Non, attends, j'essaie de regarder qu'est-ce que l'on pourrait faire. Alors, dès qu'il y aura les braquages, tu sais, les longs braquages là, Ouais, d'ailleurs, ça comme dans le arrive. solo, Ça arrive quand, ça? en fait, justement, il n'y a pas longtemps, j'ai gueulé sur Rockstar. Ouais. En leur disant, vous êtes bien gentil de nous dire le premier DLC, il est gratuit, mais en attendant, vous avez fait une pub mensongère dans votre bande-annonce, parce que le braquage n'y seront pas, et je suis quasiment sûr qu'ils nous mettront le braquage en dernier, pour que les gens dépensent et avoir des sous, C'est juste dégueulasse. et que le pack en plus sera payant. Ça, j'en suis sûr. Ah, pour les braquages, Ça, ouais, ça c'est trop pue. dé... Eh, mais c'est dégueulasse parce que franchement, ils ont fait toute leur com dessus en disant oui, vous aurez la possibilité de faire des Oui, braquages voilà, c'est. spectaculaires avec vos coéquipiers et tout. C'est vrai que c'est un peu. Ça reste un Déjà, peu fond de la le gorge. contenu du départ est un peu pauvre. Ouais, j'avoue, ouais, bah, en fait, pour vous montrer un peu, je vous mets vite fait la carte. Entre autres, vous avez les courses, voitures, motos. Vélos qui sont exactement les mêmes et qui sont sur les mêmes circuits à peu près. Ça change vraiment pour une ou deux courses. Après, vous avez le tennis, mais le souci c'est que le tennis ça ne peut se jouer qu'à deux. Et donc, quand vous avez joué une fois, bah, vous n'allez pas y rejouer 36 000 fois, quoi. C'est toujours la même chose. Après, vous avez alors là, le truc que je déteste le plus, c'est l'affrontement en équipe. J'y ai joué, mais vraiment très rarement, et je trouve que c'est mal fait. GTA, c'est vraiment pas fait. C'est pas un jeu pour des deathmatch. C'est mal fait, surtout, je sais pas, c'est le système. Le personnage est un peu trop lourd, en fait, dans les déplacements. Et je trouve que c'est pas assez réactif pour ce genre de mode de jeu. Et enfin, en dernier lieu, vous avez les petits braquages de boutiques. Mais bon, quand vous avez fait toutes les boutiques, bah, à la fin, c'est redondant, c'est chiant, C'est hein, faut le lassant. dire. C'est lassant. Et puis bah, après, vous avez les parachutes. Mais les sauts en parachute, bon, vous Voilà. l'avez fait quelques fois. C'est la même chose, en fait, à En chaque fois. fait, pour tout dire, ils se sont reposés sur leur bande-annonce parce ils vous ont montré un tas de trucs, ok? Par exemple, la course qui à la La fin finit survie avec aussi, je vous dis, la un survie. saut en moto et les gens ouvrent leur parachute. Ça, par exemple, si vous regardez bien en bas à gauche, c'est pas une course qu'ils ont fait. Faut la faire avec vous, avec vos potes, quoi. Et dans l'éditeur de cartes, c'est même pas dit qu'on pourra faire ça, quoi. Genre un triathlon, au début tu prends une voiture, après un 4x4, et puis un sous-marin à la fin. Mais après, l'éditeur de cartes, il sera même pas possible sur console, hein, c'est ça aussi. Ah Moi ouais, je que l'ai sur entendu PC. dire. Ouais, voilà, c'est tellement décevant. C'est vrai C'est que... comme si moi par exemple je suis un joueur de Battlefield, et sur leur bande-annonce, ils ont montré seulement le contenu qui est originel. Et rien qu'avec ça, c'est pas mal alléchant, parce que par exemple, s'ils me mettaient sur Battlefield d'autres maps qui seraient payantes, Qui l'aurait et montré dans la bande-annonce. voilà par exemple quelqu'un qui vient acheter le jeu pour tout ce qu'il voit. Enfin voilà, on va pas faire débat dessus, mais Ouais. c'est très décevant, et puis ils ont pas mal déçu la communauté, sans parler de leur retard. Du manque de créativité, franchement, il y avait largement plein de choses à faire. Il y avait largement de quoi faire. T'avais la possibilité, par exemple, bon, bah, je reviens sur la carte, de faire, pour pas dire de bêtises, ils avaient la possibilité de faire des, je sais pas, des jeux de fléchettes, ou même, tu vois, la possibilité de jouer au tennis à 4. Pourquoi ils l'ont pas fait? Ça aurait été tellement plus marrant à 4. Les appartements qui Basket sont. aussi, les appartements où vous ne pouvez strictement rien faire. Alors par exemple, Zaki en moins en a acheté l'appartement le plus cher du jeu, donc c'est-à-dire dans les 400 000 $. Alors donc on a vraiment fait des économies dans le jeu pour pouvoir acheter cet appart. Et quand vous arrivez dans l'appart, déjà primo, vous pouvez même pas courir. Alors vous imaginez la frustration quand vous êtes dans l'appartement À et que vous... 400 000. Ouais, à 400 000 et vous pouvez même pas courir. Et après vous avez quoi? La radio? La Un radio, verre de vin, boire, boire, voilà. Et on peut même et pas, la télévision. Voilà, c'est tout. on peut même pas se taper une bonne cuite, quoi. On peut même pas mettre nos persos vraiment mal, même jusqu'à la mort. Alors que sur GTA 4, il me semble que ça y était, hein. Le personnage vomissait au bout d'un moment. Bah tu vois, ils auraient pu, tu vois, aussi créer une activité billard.
tu vois, voilà, dans poker, les chefs, billard, chers dans ton appartement qui t'auraient obligé à rester dans l'appart, quoi. Mais au moins quelque chose qui t'incite. Et même, ils auraient dû donner la possibilité aux gens d'acheter aussi des maisons et pas seulement que des appartements. Oui, parce que ça, franchement, oh là là, c'est tellement... Ça se voit que ça a été bâclé. Franchement, c'est tout... tellement mieux. Oh, tellement mieux. C'est comme un film au cinéma, tout dans la bande-annonce. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Le jeu est pas mal. Ouais. Ça, on est d'accord. Le solo, quoi. Il pourrait être largement mieux. Ouais, le multijoueur, il pourrait être largement mieux parce que vous avez des activités comme... par exemple, les boutiques, il y a quelques vêtements, mais ça reste très sommaire. Vous pouvez vraiment pas créer un personnage atypique, changer la couleur des vêtements, ça, c'est pas possible. Vous avez vraiment des vêtements de base, avec des couleurs de base, voilà, que vous ne pouvez pas changer. Et vous avez des personnages qui se ressemblent quand même. Personnellement, pour les garçons, des fois... Ouais, franchement, et puis les filles, spécial dédicace à Babtou, il va aimer ça. Les filles ne sont pas très bien faites et... Ouais, elles sont un peu moches, ouais, c'est vrai. Que... Ouais, on dirait limite des transsexuels. Non mais sérieusement, pour certaines filles, celles qui sont pas maquillées comme des pots de peinture... Oh. Ouais, surtout les maquillages pour les personnages féminins, c'est ignoble. C'est extrêmement moche, ouais. C'est juste moche et... C'est vrai qu'au début, on se marre bien parce qu'on découvre un peu... toutes les activités. On n'a pas accès à toutes les activités au moment où on commence le multijoueur, mais c'est petit à petit, en fait, quand on y joue, eh bien on se dit, bon ouais, bah, j'ai fait la course 10 fois la même, j'ai fait 10 fois la même course. Surtout qu'il promettait 700 activités différentes, il me semble. Ouais, bah là il y en a pas 700, hein. Ouais. Moi, si, franchement, s'il y a l'éditeur de cartes sur console, je vais me faire plaisir. Je pense pas. Je vois mal un éditeur de cartes sur console. Bah, ça serait possible, mais bon... Compliqué, t'imagines, avec ta manette, essayer de gérer les Mais je pense qu'ils vont simplifier. En fait, ils vont mettre la carte vue dessus, puis tu pourras la bouger avec le joystick droit et placer tes checkpoints avec le gauche... tu pourras choisir la largeur des checkpoints, parce que sur certaines courses, si vous faites attention, bah, il y en a qui sont plus petits que d'autres. Enfin, et j'espère aussi qu'on pourra changer de véhicule et tout. Genre un triathlon véhicule, imagine. Oh ouais, ce serait trop bien. T'imagines, bah oui, le principe du triathlon dans GTA, il n'y a pas ça. Par exemple, ça aurait été bien de commencer en saut en parachute, après s'amuser à faire une petite course à pied. Ça, les courses à pied, ils auraient pu le faire aussi, pourquoi il n'y a pas? Ouais, voilà. Ça aurait été tellement simple et ça aurait été tellement fun. T'imagines, tu cours et bam, tu donnes un coup de poing à ton coéquipier. Patate là, bam. Patate à côté. Ou même, tu vois, ils auraient pu faire une sorte de. Tu vois, passer le relais. Comme dans les activités de Jeux Olympiques, en fait. Tu vois, seras en équipe. Il y en a un qui court, donc t'as l'autre, un de ton équipe qui t'attend. Hop, tu tapes, t'arrives à la limite de l'autre personnage, de ton collègue. Et là, ton collègue, il commence à courir, tu vois. Il aurait pu avoir des trucs super intéressants comme ça. Après, j'ai vu aussi qu'il y avait dans la carte de Los Santos, un hippodrome. Ils auraient pu faire des courses de chevaux. Ah oui, des courses de chevaux et... T'es juste excellente, t'imagines, t'aurais fait des paris sur telle ou telle personne et tout, et t'aurais fait 3-4 fois le tour, même, je sais pas, mais vous imaginez, déjà à deux, on a... Pas assez exploité. T'imagines, à deux, on a plein d'idées, punaise, ils auraient pu faire un truc. Faudrait que vous nous disiez votre avis dans la barre des commentaires. Aussi, ouais. Qu'on sache un peu, parce que on pourrait faire bouger les choses, hein. Si par exemple les Français, je vais dire, il y a sûrement les Anglais aussi, hein, qui se bougeaient et fassent une sorte de pétition sur Rockstar, où tous au même moment envoient le même mail, je pense que genre la grosse manifestation juste pour ça. Non mais franchement, ils l'ont pas assez exploité, mais ouais, bon. c'est moi je trouve c'est un peu décevant parce qu'on en attendait tellement de... Ou autrement, ce que je viens de penser, ouais, c'est pour faire du revenu, vu que un jeu c'est principalement pour ça au jour d'aujourd'hui. Bénéf. Hein, et qu'ils vont nous sortir une version next-gen dont ils ont parlé qu'il y avait des traces et que sur celle-ci, il y aura tout ce dont on parle. Un GTA 6 ?
Non, GTA 5 Les next-gen, quoi. version non light, ouais, parce que sur ça ferait comme Battlefield 3 par exemple sur PC, c'est t'as plus de trucs, t'as carrément plus de mods et tout. On était dans l'incompréhension totale, quoi. Ça c'est ignoble quand ouais, il y a des plateformes qui sont privilégiées plus que d'autres. Bah, c'est sur le PC, vous avez une possibilité d'innovation et de voilà et de création aussi. Donc ce qui fait que généralement bah, tous les éditeurs de cartes, de maps et tout ça, bah, c'est sûr ça se retrouve dans bah, sur PC et pas sur console. À Voilà. part vraiment le seul jeu qui me vient à l'esprit. On peut vraiment faire son propre niveau, c'est LittleBigPlanet, mais c'est tout. Ouais, voilà, c'est des jeux limite spécialisés pour, et ça, c'est décevant. Enfin bref, voilà, vous avez notre avis maintenant. Ah, j'avoue, on aura passé plus de temps à essayer les piscines et tout Tu ça. pourras mettre dans mon montage le moment philosophe. Comment on dit Réflexion, réflexion? ouais. Ouais, et réflexion de Xeki Oh, j'avoue. Asicide. Et déjà, ça fait 1 heure qu'on tourne, n'empêche. Ah ouais, bah soit tu couperas un épisode et puis je sais pas, tu verras. Ouais, je verrai ça en fonction de est-ce qu'il s'est passé plein de choses ou pas. Là, on était vachement calme quand même. Ouais, franchement, mais c'est parce On n'est que pas s'énerver en fait. ma situation n'est pas la meilleure pour parler fort, si tu vois ce que je veux dire. Ouais, Vu je vois. que tu me connais bien maintenant. Yes. Ok, bah là je pense qu'on va s'arrêter là-dessus. On va aller dans le chapiteau. Le chapiteau? Oh la vache, le plat! Regarde, j'arrive, je te rejoins! Oh la vache, oh le Juste plat! devant un marchand de lunettes. Oh le plat! Oh lui, comment il a atterri ton collègue, c'est juste excellent. Mais c'est Lio, je le connais, c'est aussi un joueur de Battlefield. Mais je lui dirai de regarder la vidéo, comme ça il verra ma petite dédicace, puis il va s'abonner. Sinon je lui mettrai le gun sous le nez. Je lui ai mis un coup de pompe. Ok, bon bah de toute façon, est-ce qu'on, ouais, on aura d'autres choses à montrer. De toute façon, on fera ça dans d'autres vidéos. Bon Et bah en tout plein d'autres. cas, bah désolé si on était un peu calme en fait aujourd'hui. J'avoue qu'on était vachement calme. Ouais, franchement, vous verrez pas ça tout le temps, je vous Peut-être trop rassure. calme, ouais. Et en fait, on devrait filmer presque tout le temps parce qu'il y a vraiment des moments où on est un peu trop Ah énervé. oui, on est fou fou, mais oh là Bon, là. en tout cas, enfin, j'espère que. Ouh là, on va se quitter rapidement parce que là, on se fait tirer Non, attends, dessus! je vais le fumer, il va voir, oui. Bon, bah, attention, alors pour finir cette vidéo, on va peut-être se friter avec l'hélicoptère quand même. Il est mort? Non, Bah, non. je croyais qu'il s'est barré, il a eu trop peur, et il a vu mon pseudo, il a fait. Je crois qu'il a explosé d'ailleurs, non? Ok. Non, c'est pas grave. Je me remets sur mon pilier. Mon trône, ok. Mon drone, hop! Puis bah voilà, bah on va. De toute façon, on refera des vidéos. Alors peut-être qu'on préparera mieux à l'avance qu'on vous montrera Ah oui, parce à que l'avenir. juste pour l'anecdote, 1h10 à comment dire à régler les problèmes d'un PC. C'est ça, ouais. Donc en fait, ça Voilà. nous a bien calmé avant et c'est pour ça Ouais, qu'on surtout moi. est. Donc ok, bon, on essaiera de refaire d'autres vidéos. Alors bah, par la suite, on essaiera de faire avec Babtou aussi, de réunir un peu tout le monde. Bon, c'est vrai, c'est un peu compliqué parce qu'on n'a pas du tout les mêmes horaires. Et on essaiera quand même de faire ça et tout. Au moins quelques vidéos par la suite à trois pour pouvoir vous rendre la vidéo un peu plus intéressante, notamment si on veut faire des courses et tout ça, parce qu'à deux, ça risque d'être pas super passionnant. Donc bah, on vous dit à une prochaine fois pour d'autres vidéos. Allez, salut!